Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve encore sur Rise, nouvelle vidéo de bonus ensemble. Cette fois-ci on va s'intéresser à la lucidité de samouraï. J'aime beaucoup celui-ci aussi, il est vraiment pas mal. Il t'apportera effectivement une pièce, une augmentation des dégâts quand tu as tes PV au maximum de 15%. Bon, comme tu le sais, j'aime beaucoup jouer parfois en critique, parfois plein PV, ça dépend des jeux. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est comme tu te fais toucher aussi beaucoup, tu retrouveras souvent l'attaque PV minimum. Tu as en fait les deux, PV max, PV mini. Mais bon, ça c'est un autre menu ensemble, on y reviendra plus tard. Ici, ce qui nous intéresse, c'est PV max, augmentation d'attaque, 15%. Donc, tant que tu as tes pleins PV, c'est 15%. Ensuite, tu retrouves un deuxième effet, récupération de PV en contre-éclair. Donc, je rappelle, tu peux avoir une description. Quand tu appuies triangle, permet de récupérer des PV après avoir parié une attaque ennemie avec un contre-éclair plus 3%. Donc ça c'est pas mal aussi si tu veux régénérer des PV, sachant que tu peux avoir des effets de statut qui permettent de récupérer des PV en contre-éclair. Exemple, sur les accessoires, récupération de PV en contre-éclair, 0,1%. Alors ça te paraît pas beaucoup, mais une fois cumulé, tu vois quand même la différence. Ensuite, tu retrouves l'attaque en contre-éclair, plus 10%. Donc augmente temporairement les dégâts infligés après avoir paré une attaque ennemie avec un contre-éclair. Donc là aussi, pareil, tu pars une attaque avec un contre-éclair, c'est 10% d'attaque en plus. Ce qui est franchement bon à prendre. Ce bonus ensemble étant l'un, forcément, que je conseille aussi beaucoup. Et tu retrouves sur sa troisième pièce, force plus 2. Alors, en vrai, quatrième pièce, mais bon. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils aient marqué, tu vois, oups. Qu'ils aient marqué 1, 2, 2 et 3. En fait, ça aurait dû être 1, 2, 3, 4, mais c'est un peu bizarre. Je pense qu'ils prennent la condition de bonus ensemble en compte là-dedans, ce qui n'est pas forcément super cool. Mais bon. C'est vrai que quand tu portes une seule pièce avec la condition de bonus ensemble, tu as déjà l'effet 1 et 2 activés. Donc après, ils ont rajouté l'effet 2 réel et 3. Mais bon, c'est un peu bizarre. Du coup, une fois de plus, comme je le disais dans la vidéo de bonus ensemble précédente, bon, c'est toi qui vois si tu veux porter tes 7 en entier ou pas, jusqu'à la force, qui t'apporterait 2 points bonus au niveau de la stat force et donc un peu plus de dégâts. Mais franchement, pour le peu que tu vas sentir... Je préfère prendre d'autres bonus ensemble qui auront des effets intéressants et qui vont peut-être même apporter plus de dégâts que avoir deux en stat force quoi. C'est toi qui vois. Bon bah voilà, la vidéo était courte, c'était pour la lucidité de samouraï. A plus.